D'habitude, les gens qui parlent de fin du monde, on les enferme. Ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement. Par l'enlèvement de Desmond Miles. Mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage. Un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps, si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois. Car je connais la vérité. Et c'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer. De nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden. Et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Nous y voilà. Allons-y.
Un instant après, Alice, au pays des merveilles, était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. Cette fois, on y est. Sœur ? Et c'est reparti. Desmond ? Tu nous entends ? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es entré dans un état d'amnésie. Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... Je sais pas, moi. Vous assurez que j'allais bien ? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi, et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, je... Non, c'est bon. J'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où aller. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle ? C'est Junon. C'est elle qui me parle. D'accord, Desmond. Pendant que tu... visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas.
bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Traverse ce petit parcours d'obstacles au pas de course. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les deux Templiers.
Il suffit juste de sauter de l'autre côté. La synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce temple attend de toi.